mitema osatoli osaleli Nzambe maboko na likolo na loyembo ya basan na base tokoyemba alleluya. Il est digne de notre adoration, celui qui nous a aimés avant notre existence. Il nous a promis d'avance, il nous a prédestinés à être semblables à l'image de ton et son Fils. D'entre les morts, il est premier-né d'entre plusieurs frères. Il est le véritable Dieu, la manifestation de Dieu invisible. Nous t'aimons Jésus. Merci Seigneur. Reçois, Seigneur, cette offrande et accepte les dons sur ton peuple que vient faire ce matin. Merci Seigneur. J'ai dit la parole au nom du Seigneur. Amen. Chérubin de vie, qu'il ne meure point, et que ses ombres soient nombrées. Chérubin de vie, qu'il ne meure point, et que ses ombres soient nombreux. Parole du Seigneur. Amen. Bien que je n'ai pas dit les versets. Salut ton frère, ta soeur. Ce qui nous a compté aujourd'hui parmi les vivants, ceci n'est pas lié à notre programme. Parce que nous savons qu'il y en a, c'est là aussi comme nous. Zara qui n'a pas programme, mais ils n'ont pas pu arriver jusqu'à 7h. Quelqu'un a dit que même si tu te réveilles le matin, ce n'est pas ton alarme. Parce qu'il y en a c'est là aussi, par chat qui va téléphoner à la bonne à la et à le sommet qui va leur habiter. C'est la grâce de Dieu. Et moi je crois que si le Seigneur nous donne la vie,
Ce n'est pas seulement pour manger, boire, marier, voyager, travailler. Grande partie de la vie que le Seigneur nous donne, c'est pour les connaître. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et celle-ci vous affranchira. La Bible dit encore, la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ, ton Fils, que tu as envoyé. Que l'hiver vive et qui ne meurt pas. Là, c'est Moïse. Moïse a Zopambola. Là, il y a Jacob. Mais ici, dans Deutéronome 33, les parents ne sont plus. Et si nous remontons dans la Genèse 49, nous allons voir les papas Jacob. Il était le géniteur, mon boti. Il y a un peu de l'union sur 12, comme on a dit, c'est la Benjamin et aussi Dina. Mais dans la bénédiction prophétique de Jacob, même dans la bénédiction prophétique de Moïse, nous sommes pas mentionné Dina, Nakatia, la bénédiction. C'est là une explication. Mais ce n'est pas notre sujet ce matin. Pourquoi Moïse a son dans la Ribène? Parce que Ribène, c'est là qui est né de la famille. Et si nous vérifions aussi Genèse 49, donc comme on a Jacob, dans l'oiseau Pambola, a bandit aussi dans la Ribène. Ce qui te coûte autant un mot, ça peut nous aider. Genèse chapitre 49, verset 3 à 4. Ruben, toi mon premier-né, la force et le prémices de ma vigueur, supérieure en dignité et supérieure en puissance. Un petit comme le zoo. Tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la bouche de ton père, tu as sué ma couche en y montant. Jacob, le géniteur des enfants, le père des enfants, dans ma bébé, pour la bambo, la bambo, à Zobatanaripe, qui était le même. Parce que l'héritage, mais ça a été coupé sa main dans mon aéroso. Mais ici, Ruben n'est pas béni. Les paroles qui sortent de la bouche de son père n'étaient pas des paroles de bénédiction. Ce qui n'est pas souhaitable, bien aimé dans le Seigneur. Et de telles histoires ne t'arrivent pas. Et bateau, ma bottio, ma prono sacamalo, ma malamonte pour la vie. Mais qu'est-ce qui s'était passé pour que son père en arrive jusque-là? Il y a comme un niveau, il y a maudit, moi, nous y est pourquoi maudit. Raison, les amis, et Jacob a sauvé ça. Alors, parce que tu as monté sur la couche de ton père. Tu es entré dans le lieu secret de ton père. Tu as touché les histoires qui concernaient que ton papa et toi, tu n'avais pas le droit d'y toucher. C'est ainsi, frère, dans la vie, il y a des limites. Tu n'es pas appelé à faire tout. Tu n'es pas autorisé à toucher à tout. Il y a des limites. Dès qu'on franchit, il y a un mot, finalement, il continue à problème. Ce soir, à niveau, il y a famille, dans l'église, même dans la carte de Mokili, il y a des limites. Et nous avions dit ceci prophétiquement, Ruben, c'est l'image d'Adam. Adam qui était le premier homme que le Seigneur avait créé sur la terre,
Et le Seigneur lui avait donné la domination, l'autorité sur toutes choses, étant créé à l'image et à la ressemblance de son Créateur. Mais lorsque Adam avait aussi péché, Adam a point dans les soumous, le Seigneur l'avait chassé. Et l'autorité de Dieu à Adam, Colo à l'ombre, autorité panaïe. Ainsi, dans Genèse 49, Ruben a son perdre autorité parce que à Ketaki Polina Moko et Abbas, Tatanaï. C'est là où le malheur est arrivé. Adam de même a son perdre autorité parce que accepta qu'il l'enseignement de devenir comme Dieu. Aimer la femme de son père, c'est vouloir prendre la place de son père. Et c'est la même chose avec Adam. Il avait voulu devenir comme Dieu. C'est ainsi seulement qu'il a fait passer. Le péché d'Adam et Ève, ce n'était pas une relation sexuelle. Ce n'était pas qu'ils avaient tué un animal. C'était simplement qu'ils avaient accepté la doctrine de Lucifer de devenir comme Dieu. Parce que Lucifer lui-même, celui-là a été déchu. Sauf qu'il a boakakié, à le voir qu'il a position, il a chez lui-même, protecteur, parce qu'il avait voulu devenir comme Dieu. Connaissant que toute créature, oyakoloukako soit la place de Dieu, à cause de la banni de sa position, il est allé proposer la même chose à l'homme. Mais en passant par sa femme. Donc prendre la femme de son père, c'est chercher à prendre la gloire de son père. Parce que Bible est seulement la femme et la gloire de l'homme. Et tant que Ruben a soigné dans moi, si il y a papa naïe, cela veut dire Ruben voulait prendre la gloire de son père, la place de son père. Et Babotoli est la prééminence. Bien que Asalaki prémisse, Asalaki supérieure en dignité, supérieure en force, et même aussi Adam. Il était supérieur parmi toutes les créatures. Mais à cause de son péché, il a été banni de la présence du Seigneur. Et toute l'humanité que nous sommes, nous sortons d'Adam. C'est que si nous devons connaître ces choses, c'est pas de mêler les autres soyons dans l'église. Soyez ma raisonnée, chaque dimanche, mardi, jeudi, mercredi, vendredi, il y a comme ça la culte. Pour plusieurs, l'église aujourd'hui est devenue un endroit où les gens partent seulement pour trouver solution à leurs problèmes. Le mariage, le voyage, et que chez encore. Il y en a plein. Ce n'est pas mauvais. Le Seigneur accorde toutes ces choses-là. Mais raison, il y a ma casse. Oui, ils sont mes mamies, surtout dans la casse, souvent. Dans l'ensemble des saints, dans l'ensemble des premiers-nés, c'est pour être instruit par rapport aux choses qui concernent notre éternité. Mais pendant que nous sommes sur la terre, le Seigneur lui-même prend soin de nous. Moïse a eu pour bénir ma descendant. Il y a Ruben, mais Ruben lui-même n'était pas là. Pourquoi? Parce que la malédiction que Ruben avait contractée au moyen de sa désobéissance et qui t'a quitté la postérité n'a rien. Même aussi la malédiction d'Adam et qu'à toute l'humanité
Mais Dieu, par sa grâce, il est venu encore restaurer la postérité d'Élimède. Nous tous, nous sortons d'Adam. Et Moïse, dans Deutéronome 33, a bâti qu'on bénit la postérité d'Élimède. Nous avions dit Moïse est l'image de la grâce, l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous observez le parallélisme entre la naissance de Moïse et de notre Seigneur, donc on a que lorsque le Seigneur était né, Moïse demain. Moïse va qui est notre Seigneur demain. Et on avait donné tous ces parallélismes. Mais aujourd'hui, tout il y a encore pour évoluer. Qu'il y ait de vie, qu'il le meure point, et que ces hommes soient nombreux. Ça, c'est l'œuvre de la grâce. Et aujourd'hui, quand nous acceptons de que quelqu'un croit au Seigneur Jésus-Christ, directement à son compte, à la Seigneur, quand Moïse parlait de lui-même, il parlait de sa postérité. Il y a malédiction, il y a péché. Mais qu'il vive, qu'il ne meure point, et que ses hommes soient nombreux. C'est la pensée du Seigneur pour toi. Que tu vis, que tu ne meurs point, et que tes hommes soient nombreux. Que l'humaine vive et qu'il ne meure point, c'est l'œuvre de la grâce. Dans la grâce, il y a la rédemption. L'homme a été vendu. Dans ces paroles que l'humaine vit, il y a non seulement la rédemption, il y a aussi la réconciliation entre l'homme et son créateur. Quelle grâce! Que l'humaine vit, il y a aussi l'autorité que l'homme avait perdue en Adam, mais retrouvée en Jésus-Christ. Que l'hiver de vie, il y a aussi la vie éternelle que le Seigneur nous donne. Tu peux comprendre un mot bien. Soit 1 Chronique, chapitre 5. La malédiction, ce n'est pas d'abord manquer de l'argent. La malédiction, ce n'est pas d'abord manquer le moyen matériel ou financier. La malédiction, c'est cette absence de la relation entre l'homme et son créateur. C'est ça la malédiction. Et la bénédiction, ce n'est pas aussi tout ce que l'homme peut avoir selon la chair. La bénédiction, c'est retrouver ta relation avec celui qui t'a créé. Parce que nous connaissons le magicien, les occultistes. Vous allez me dire que ces hommes-là sont bénis. Parce que selon l'homme, la bénédiction, c'est ce qu'il se voit. Parce que malédiction, bénédiction, où ils ont tiré racine dans le latin. Mal dire, bénédire, mal dire, mal dire. La malédiction, c'est une atmosphère de paroles négatives sur la vie de quelqu'un. Et la bénédiction, c'est aussi l'atmosphère de bonnes paroles sur la vie de quelqu'un.
Il est vrai que cela peut amener des conséquences visibles, mais d'abord, dans la pensée du Seigneur, être béni, ce n'est pas d'abord le matériel. C'est ta relation avec ton Créateur. Est-ce que tu me saisis bien? Je ne dis pas que la bénédiction matérielle n'existe pas. Oui, ça existe. Mais ne définissons pas les choses selon l'homme. Incognito. Chapitre 5. Et dans le verset 1er et 2. Et dit la Bible. Fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né. Mais parce qu'il suivit la couche de son père, son droit de main se fit donner au fils de Joseph, fils d'Israël. Toutefois, Joseph ne dut pas être enregistré dans les généalogies comme premier-né. Judas fit à la vérité puissant parmi ses frères. Et de lui est issu un prince. Mais le droit de naissance est à Joseph. Ici, l'auteur, Azab, pour expliquer le problème, il y a droit de naissance. Pourquoi ça tourne, ça revient, ça tourne, ça revient. Des fois Joseph, des fois Juda. Mais quand Moïse était venu, aïe qu'au son du Sénat, descendance y a lui-même, la domination, la prééminence, la supériorité. Mais là, c'était par le parole. Mais pour que cela ait se réalisé, et c'est là qu'il l'œuvre de la croix. Et ici, où nous venons de lire, prophétiquement, il y a des choses qui sont cachées au nom de l'ensemble. Le Seigneur peut nous aider. Mais en réalité, il y a un rebelle de ce qu'elle a dit. Mais si tu as conduite, c'est ainsi bien aimé. Veille sur ta conduite. Veille sur ta conduite, cela peut engager des bénédictions ou des malédictions dans ta vie. Dans ta conduite, il y a aussi la liaison de tes paroles. Ce que tu dis en cachette ou en public, cela peut attirer des malédictions ou des bénédictions. Ruben a son père le droit de naissance. Alors bien, en vérité, c'est Joseph qui dit être enregistré dans les généalogies contre les. Mais c'est Juda qui fut puissant. Et parmi ses frères, parce qu'au travers de Juda est venu un prince, Yeshua. Mais le droit de naissance revient à Joseph. Juda et Joseph, nous voyons l'œuvre de Jésus-Christ. Nous voyons le ministère de notre Sauveur, Oyaïe, pour récupérer le droit d'aînesse. Suivez-moi bien. Tosson Songela, l'autorité, nous descendants de Ruben, grâce à Jésus, grâce à son œuvre. C'est l'ancienne alliance qui nous amène à connaître certaines histoires comme ici. Pourquoi Joseph et Juda, droit de naissance, et Zali pour tourner entre eux? Parce que dans Joseph et Juda, je viens de le dire,
c'est l'œuvre de notre Seigneur, son humanité, sa mort, sa résurrection, et ça n'a qu'à se faire. Joseph et Judas. Commençons d'abord par Joseph. Joseph n'a qu'à se faire moko. Asana deux fonctions, il y a notre Seigneur. Deux offices. Office, il y a des bossos. Tant que ça, il y a des bossos. C'est l'office prophétique. Vous vous souvenez, Joseph avait souvent des visions qui se réalisaient. Il était un prophète. Quand il parlait par rapport à la vision, il s'est dit, ça c'est l'une des offices de notre Seigneur. Joseph, à ça qui aussi dans l'office, il y a sacrificature ou il y a sacrificateur. Vous allez vous souvenir qu'il a été vendu, mais il a qui est dans le monde. Qui est à se retrouver dans l'Égypte, bien que tout le bienfait, on a qui pour apporter dans l'Égypte, mais à se retrouver dans la prison, ça c'est l'œuvre du sacrificateur. Il y a ce bâté qui est dans la bande de Konaïe, le col à moi dans l'empathie. Il a fait beaucoup de miracles. C'est ça Jésus, Joseph, l'endroit à Potiphar. Il a apporté beaucoup de biens. Potiphar, finalement, ça l'a qui naissait, mais présence, il y a Joseph, l'endroit où il finalement changé. De même, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, quand il était venu en Israël, il a trouvé les gens sous la malédiction, sous la captivité. Et la présence de notre Sauveur en Israël, les aveugles ont retrouvé la vie, les muets ont parlé, les sourds, ils ont découvert. Non seulement livré, mais il était livré jusqu'à la mort. Et remarquez, la vie à Joseph, quand il est en prison, il était au milieu des deux voleurs. Et notre Sauveur, Jésus-Christ, à la croix, il était au milieu des deux brigands. L'autre brigand était tué, ainsi amené de l'autre qui était avec Joseph. La prison, il était condamné. Les panetiers, il était condamné. Mais les chansons, lui, il était sauvé. De même à la croix, Jésus-Christ avait dit à notre voleur, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Pourquoi lui, il était sauvé? Parce qu'il était une chanson. On est chanson. À sa bouteille, à son servir le vin. Oh, le vin, c'est l'image du sang de Jésus-Christ. Grâce, il y a ma kila na Yesu. Bisous, nous sommes sauvés à Yesu sous la trône, la présence de celui qui nous a aimés. Le sang de Jésus qui parle plus mieux que celui d'Abel. Joseph en lui-même, il a cédé son fils. Mais Chida a cédé un fils Moko, le roi. Parce que de lui est ici un prince. Et par rapport, il y a trois fonctions. Il y a une zone qui est là. L'humanité qui croit à Jésus-Christ, la domination, la rédemption, la réconciliation avec son Créateur. Bien aimé, tout ça qui fruit, il y a hasardé. L'homme ne sort pas du néant. L'homme est une des créatures. Et quand nous voyons les créatures, bien entendu, il y a un Créateur. Et au lieu de nous parler de ça, c'est ce qui s'était passé. Et ce que le Seigneur, notre Créateur, a accompli pour
pour notre rédemption. Quand Moïse disait qu'il peine de vivre, qu'il ne meure point, et que ces hommes soient nombreux. Et aujourd'hui, selon les statistiques, ils disent que la grande religion au monde, c'est le christianisme. Qu'il y ait de vivre, qu'il ne meure point, et que ces hommes soient nombreux. Nous sommes nombreux, plus nombreux même que le misère. C'est la prophétie. Qu'il y ait de vivre. Libère les vies qui ne meurent pas, mais pas seulement par rapport à sa vie matérielle. Cela n'est pas seulement par rapport à sa longévité, mais qu'il libère les vies et sa vie éternelle, c'est l'éternité que le Seigneur est venu remettre. Alors, c'est pour se souvenir l'homme de la chute de l'homme. Arbre de vie. Le Seigneur avait placé les deux chérubins pour dire que toi empêcher pour toi. Ce qui a zoomé, allié pour ma ako vivre éternellement. Et quand le Seigneur Jésus qui est venu, la Bible dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Qu'il n'y perde vie, qu'il ne meure point, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça la prophétie. Quand nous croyons à notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, selon la chair, nous allons un jour mourir, mais selon l'esprit, nous avons à nous l'éternité, l'accès aux Esana qui bloquaient. Frère, sœur, tu peux avoir l'accès. La Babylone, il y a monde, il y a président de la République, il y a président, il y a États-Unis, il y a je ne sais pas quel bureau. Tu peux entrer et prendre tout ce que tu veux, mais si tu manques la salle du trône, du grand roi, tu es le plus malheureux de tous les hommes. Temporaire. Pourquoi? Parce que ça passera. Mais ce qui est important, c'est l'éternité de ton âme. Mais tu ne passeras où? Que l'hiver vive. C'est ainsi au travers de ses deux fils, Joseph, Judas, c'est le ministère de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour nous donner ce qu'on avait perdu à Adam. En Christ, nous avons la vie. La vie éternelle. Par son œuvre à la croix, il nous a apporté ce que Adam, notre ancêtre, avait perdu. Voilà pourquoi, frères et sœurs, quand nous tous sommes ensemble, nous devons savoir que l'homme est tous en besoin. Ton limité évangile de que quand il peut s'abuser ça, c'est très dangereux. Ton limité évangile de quand il peut s'abuser maman, non. Ton limité évangile de ayez peut s'abuser maman. Oui, c'est vrai. Le Seigneur fait toutes ces choses. Mais écoutez, nous sommes là où nous ce qui est béni en cours de votre tête, tant que nous sommes là où nous sommes au loin. Pas là où nous sommes là, mais ça peut arriver un jour, comme cela est déjà établi, que tu peux partir avant eux, peu ou petit qui va. Mais ça peut aussi se faire, comme nous le voyons. Les parents qui perdent leurs enfants. Nous devons savoir réellement qu'est-ce que nous recherchons quand nous venons comme ça à l'église. C'est ainsi que nous sommes marqués par le mêlé. Leur foi, ils arrivent.
façon de course pour trouver des solutions seulement à nos problèmes. Maintenant, Jésus-Christ est venu pour libérer l'homme de la captivité du péché, pour libérer l'homme de la captivité du diable et le préparer pour l'éternité qu'il attend avec son Créateur. Regarde l'œuvre de l'Évangile, ça ne se limite pas à te donner le mariage, le voyage et que sais-je encore. L'œuvre de l'Évangile, c'est de te donner l'éternité dans ton âme. Parce que beaucoup se sanctifient par rapport à ces choses. Le mariage et le voyage. Et celui qui t'a suivi en beauté, alors il t'a pas de ses voiles. Le Seigneur peut éprouver ta foi. Tu es sincère, tu pries sincèrement, mais il te laisse aussi malade. Il peut éprouver ta foi. Tu es sincère, tu crains le Seigneur. Il te laisse un peu dans la disette. Où est Lazare? C'est lui qui était ressuscité après 4 jours. Quel miracle! Quelle émotion! Les super tani, Bakouya qui vous colle Lazare, Zobi Manato. Lazare ne plus, bien aimé dans le Seigneur. Le miracle que nous recevons de la part du Seigneur, c'est simplement pour signaler que le Seigneur est réellement vivant. C'est simplement pour nous aider à reconnaître la parole de véritable, véridique. Mais ce qui est important, c'est la parole de Dieu. Car les cieux et la terre passeront, mais la parole qui produit la vie, la parole qui produit l'éternité dans l'âme de l'homme, ne passera jamais. Voilà pourquoi tu dois t'attacher à la parole. Ne t'attache pas au miracle, ne t'attache pas aux merveilles que le Seigneur peut opérer. Attache-toi à la parole, parce que la parole, c'est l'arbre de vie du jardin. C'est la parole qui te donne le temps. C'est ainsi, moi, je ne me sanctifie pas pour les voitures. Si je crains le Seigneur, ce n'est pas pour chercher les dupes. Si je crains le Seigneur, ce n'est pas pour le mariage. Mais si je crains le Seigneur, parce que la Bible déclare rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut voir un jour son Seigneur? Alors si tu veux le voir, sanctifie-toi. Bannis l'hypocrisie dans ton cœur. Que rebelle vive, c'est la vie que Dieu veut donner à l'homme. La vie de la sainteté. Combien vas-tu te décourager? Oh, n'abonde lui pendant 5 ans. N'abonde lui pendant 10 ans. Na ce monde l'homme la vie n'a pas. Na le minanga sambel. Na tiki nanga zela tsambe. Je ne sais pas. C'est le Seigneur qui connaît le cœur. Est-ce que tu vis réellement selon la pensée du Seigneur? Si oui, bien-aimé, le programme de Dieu pour toi, toi aussi tu ne le connais pas. C'est le Dieu qui connaît son programme pour toi. Aïe mi nega zota bolisayo. Soko yemi, ya solo penza. Tu es né de nouveau. Tu es baptisé dans le Saint-Esprit. Et tu marches dans la crainte de Dieu. Si tout autour de toi, rien ne marche, naïe mi si yoko bang de l'autre côté. Je peux parler évangéliquement comme Job. Je sais que ton Rédempteur est vivant. Jésus-Christ n'est pas resté à la tombe. De même Joseph, il n'était pas resté dans la prison. Il était sorti. De même notre Seigneur, il n'est pas dans la tombe. Il est vivant. Ton Rédempteur est vivant. Il s'élèvera. Si pas après ce culte, demain. Si pas demain, c'est le lendemain. Et je sais que même la semaine prochaine, celui qui
vie chrétienne par compétition. Je ne vis pas ma vie chrétienne par comparaison à d'autres serviteurs de Dieu. Mon problème, bien que je suis prédicateur, mais je suis aussi fils de Dieu. Je dois me préparer par rapport à cette rencontre. Que l'hiver ne vive, qu'il ne meure pas, et que ses hommes soient nombreux. Et Jean 10, 10, la Bible dit, les voleurs ne viennent que pour égorger, dérober et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle aille en abondance. La vie abondante, ce ne sont pas de voitures. La vie abondante, c'est la divinité dans l'homme. Or le Seigneur dit, toutes les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Cela veut dire la parole de Dieu. Donc qui commande à vous expliquer à quoi nous desserrons la chair. La parole concerne d'abord l'intérieur de l'homme. Il fallait Joseph, il fallait Judas. Joseph, par rapport à la fonction, il a sauvé le peuple à la famille. Mais étant un prophète, Azoye Bisabango, je vais quitter ce monde, je vais mourir. Mais après ma mort, le Seigneur va me visiter. Ça c'est la prophétie. Et les os de Joseph, Mikoua et Joseph, n'est rien d'autre que l'enseignement, n'est rien d'autre que la parole prophétique. Parce que chaque fois que les enfants d'Israël regardaient les os de Joseph, ils se disaient en eux-mêmes qu'en vérité, nous allons quitter ce pays. Pourquoi? Cet homme qui est mort, que nous voyons les os ici, il avait dit un jour qu'il va régner sur nous. Et nous sommes tous là qui nous doutons. Mais plusieurs années après, toi et qu'on remarquait, nous les 12 étoiles, et le soleil et la lune, ton fou canal, il y a étoile, il y a Nekonamus. Le Kona dit Sakoya, il y a Nekonamus. Et Kokisa va pas. Il y a compris mal l'Égypte. Et Kokisa. Joseph, un prophète. Mais quoi, il y a Joseph et Yango? Est-ce que ça peut observer Yango? Mais quoi, Joseph et Yango? Mais n'a beaucoup fait, mais si ma décolle, mais ça, on n'a aussi pas. Là, il est encore vivant. Et tout ce qu'il avait dit s'est réalisé. Mais avant sa mort, il avait dit, il est avantageux que je m'en aille. Si je ne pars pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Et tant qu'à Boya, vous voyez, bah, vous allez commencer à parler à d'autres là. Cette parole est la vérité. Moi qui te parle, je l'ai expérimenté. Un jour, la culte à jeunesse, on priait, je ne savais pas. Une force est descendue sur moi. J'ai commencé à pleurer. Mon tout à fait à Kingan. Mais à ma grande surprise, j'ai commencé à parler à d'autres là. Jusqu'aujourd'hui, ces paroles, c'est notre Joseph qui l'avait dit. Non seulement par rapport à l'esprit, mais il avait dit aussi
il y aura des temps difficiles. Vous allez voir une nation s'élever contre une autre. Vous allez expérimenter des guerres dans le monde. Vous allez expérimenter des maladies incurables. Vous allez voir toutes ces choses. Les enfants qui deviendront des rebelles. Vous allez voir la méchanceté croître. Et c'est ce que nous sommes en train d'expérimenter. Au troisième élément, il faut le téléphone. La méchanceté. Et toutes ces paroles, notre Joseph l'avait prédit. Mais il avait dit aussi, je m'en vais vous préparer une place. Et je reviendrai vous prendre. Afin que là où je serai, vous y soyez vous aussi. Bien-aimés dans le Seigneur. L'objectif de notre vie en Christ ne se limite pas par rapport à ce monde. Tu dois maîtriser ces choses. Sinon, tu dois servir le Seigneur par rapport aux autres. Oh, c'est un grand danger. Guéribert de vie, c'est la vie éternelle. La réconciliation et la rédemption. Et de finir ici, toucher Joseph. Joseph, quand vous vérifiez dans l'écriture, par le dire, quand il a aidé, vous continuez pourquoi débattre. Lorsque nous lisons Apocalypse 5, Charles, on est la limousine à trône, parce qu'un ange puissant avec lui. Qui est digne d'ouvrir les livres, de les regarder et de rompre les cieux. La Bible dit personne dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre, ne fut trouvé digne pour ouvrir les livres, pour ouvrir les sept sceaux et de les regarder. Jean commença à pleurer parce que personne était trouvé dit. Je pense en lui, quand il pleurait, il disait, mais où est Jésus-Christ? Où est Amashia? Celui qui avait ressuscité Lazare, celui qui avait multiplié le pain. Moi je les connais. Même si David n'a pas pu ouvrir les livres. Même si Abraham n'a pas pu ouvrir les livres. Même si, mais je connais un Yeshua, Amashia. Il est où? Il y a quelqu'un ce matin, il lui plaît. Parce qu'il y a une question dans sa vie par rapport à une situation donnée. Et il se demande qui est digne pour me décanter de cette situation. Laisse-moi te dire, pendant que je prêche, il marche au milieu de nous. Bible déclare, il marche au milieu de cette chandelier, et le chandelier symbolise son église, et il marche pour ôter tout ce qui est impie, et ce matin, tu ne sentiras pas, si le Seigneur ne te touche pas, tu crois à cela, amen. Soyez bénis, amen. Dans Jean Azon est là, l'un des vieillards est venu, pour lui dire, Jean ne pleure pas. Voilà pourquoi il est important dans l'église d'avoir des anciens. Quand je dis les anciens, ce ne sont pas les anciens seulement dans le sens et la fonction. Mais les anciens dans le sens de la maîtrise de la révélation. La maîtrise de la doctrine. Les anciens qui ne sont pas ballottés à tout vent de situations, de doctrines ou de circonstances, des hommes posés dans la parole. Et ce matin, tu as devant toi un ancien qui te dit ne plaire point. Je suis venu dire à quelqu'un ne plaire point. Je suis venu dire à une femme ne plaire point. Je suis venu dire à un homme ne plaire point. Je suis venu dire à une soeur ne plaire point. Je suis venu dire à un frère ne plaire point. Si tu crois ce que je t'ai dit, parce que je vais te présenter bientôt la personne qui va prendre soin de ta vie. Il n'a pas dit ça, par rapport à la vie, il y a un peu de temps, 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 il y a un pe
Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus est Seigneur? Quelqu'un peut dire Jésus est le roi de rois? Est-ce qu'on peut acclamer celui qui l'aime? Amen. Capable de changer les situations difficiles ce matin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je prie à notre Seigneur Jésus-Christ et que la semaine au Tobani, au Monaye, Kakaori, au Kaye, Tema, au Monaye, car Jésus est vivant. Voici mon conseil de la Nikabouya Mabota, que le Seigneur, Oyaye Kikolomate, libère de vivre, accorde sa vie dans l'entraille à moi sur eux. Que cela se soit fait maintenant au nom de Jésus. Jean ne pleure point. Jean ne pleure point. Est-ce que tu peux m'aider à dire à celui qui est à ta gauche, à ta droite, ne pleure point? Oh, tu peux le faire à haute voix. Tu peux le faire avec conviction. Quand tu le fais, l'onction se libère. Je suis venu te dire, tu ne mourras pas. Celui qui te donne l'éternité, te donne la longévité. Recevez-le au nom de Jésus. Recevez-le au nom de Jésus. Que l'hiver ne vive et qu'il ne meure pas. Je vais encore ajouter quelque chose. S'il y a eu dans ta famille une malédiction qui bloquait tout le monde, qui empêchait tout le monde de dévoiler les capacités, de transcender la malédiction de ta famille, si j'étais au Nigeria, si j'étais en Angleterre, ce matin quelque chose à ce qui concerne l'adoration allait se passer. Je te présente Jésus, je te présente Jésus, je te présente Jésus. Le lion de la tribu des Gitans, c'est lui le roi des rois et le Seigneur des Seigneurs. Non seulement il est venu pour sauver, mais il est venu encore nous donner l'autorité. Voilà pourquoi il dit, je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire, et rien ne pourra te nuire. La malédiction de ta famille ne te nuira pas. Les malédictions des hommes ne te nuira pas. Parce que notre Moïse était déjà venu et il a dit que Ruben vive, que Hortense vive, que Élie vive, que Bonnie vive. Tu ne mourras pas, tu vivras, tu quitteras la terre d'après la volonté du Seigneur. Il te donne l'autorité. Et ce matin, parce que dans la conquête, la quand il y a conquête, il y a terre, il y a Canaan. Ce n'est pas toutes les tribus. Nebazala qui commanda. C'est Jida qui partait le premier. C'est Jida qui venait le premier. Parce qu'en lui, il y avait les Shiloh. C'est lui qui avait le bâton pour diriger. Laisse-moi dire à un homme, à une femme. Je ne suis pas venu me présenter. Seigneur, que je diminue et que tu croises. Que je disparais et que tu apparais. Afin que celui qui est accablé, celui qui a des problèmes, celui qui est malade, qu'il sorte ce matin avec la guérison dans son corps, avec la restauration dans sa vie. Tu peux la recevoir au nom de Jésus-Christ. Je sens l'onction dans la salle.
Je sens la grâce de Dieu dans la salle. Est-ce que tu peux libérer ta foi? Est-ce que tu peux libérer ta foi? Je vais la sentir ici. Tu peux libérer ta foi. Et quand tu libères ta foi, le miracle soit ton partage. Tu vas vivre et tu ne mourras pas. Merci à lui, Maïdi. Quel bénéfice! Voilà pourquoi il est écrit. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Seigneur, accomplis cette parole. Tu n'es pas venu sur la terre comme un touriste, mais tu étais venu pour libérer les captifs. Seigneur, s'il y a un captif ce matin, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, au travers de ta parole. Thank you.
Bien-aimé dans le Seigneur, tu as tellement na esengo makasi na bolamo nzambe azako tikate ko sala na biso. L'ensemble est premier-né, on est tout le temps visité et arrosé par la grâce de Dieu. Dans cela, il y a le lobanaye, ouazako utilisé, namosalinaye, l'apôtre Boyo Akasia. Aujourd'hui, le dimanche 25 2017, mois de février, tout cela qui enseigné dans le thème il y a Kéribène vive. Oyo, et cela qui tellement profond. Nous avons vu la manifestation de Dieu, comment est-ce qu'un kolaza ko restauré ba oyo ba outi na se ya babila kelimabe car ibena zwa ki maloba oyo ya malédiction na papa na ye moko parce que oyo ya sala ki za ki malamu te mais Moïse aye ko zongi sa bomoi na ribin oyo tozo ko lo baptipe ya Jésus-Christ pour tenir compte de na ba méconduite na biso na ba faute na biso mais ayeka kako gracieux biso bisiko ba condamné yaye na koya ko fungola biso et aujourd'hui totali combien comment est-ce que l'esprit du message a se manifesté qui na kati ya batu ya y des restaurations ya ba maladie incurable makambebele kola sa biso bola makasi voilà pourquoi toko zala chaque temps reconnaissant il est pour nous utile et sa parole est pour nous salutaire. Tope sinzambe merci pour na dimanche alelo. Merci. Et que to saluer binoyon so bisika bozali adresse zakaka Campins na commune ya Kalamu et Campins 117 bisika bokoi komona biso à tout moment. Ba numéro ya téléphone eza affiché wana kolo apambola bino makasi bisika bozwa mina mukili. Le bishalo na bana nzambe nyoso sika bazali oyo bazolanda biso de partout que le Seigneur vous bénisse. Nous venons là de terminer l'enseignement si Kériben vive. Kériben qui était maudit par son père et qui était Jacob. Mais nous voyons dans Deutéronome 33, Ruben est béni. C'était sa postérité qui était bénie. Voilà, par la grâce de Dieu, nous avons compris que Ruben est le type d'image d'Adam. Et la postérité de Ruben, c'est l'humanité qui était tombée sous la malédiction. Et par rapport à ce que le frère vient de nous demander, à ce qui concerne à l'arbre de connaissance du bien et du mal, nous disons que ce n'était pas un rapport sexuel, c'était une fausse doctrine, un faux enseignement, et c'était que vous deviendrez semblable à Dieu. Donc c'était la même position de rébellion de Lucifer, c'est ce qui a poussé Dieu de le bannir de sa présence. Et il est venu avec la même pensée, et il a introduit cette pensée au travers de la femme a amené la pensée à l'homme. Et ceci a fait que Dieu a aussi banni Adam et Ève de sa présence. Mais gloire au Seigneur, bien que la malédiction était entrée dans le monde, Jésus-Christ était venu, lui qui est notre Moïse, c'est l'image de Jésus-Christ, Moïse, il a dit que Ruben est vive. Le Seigneur est venu nous communiquer la vie. Alors suivez ces messages, vous allez expérimenter la grâce de Dieu, le Seigneur va vous bénir en Jésus. Nous ne sommes pas maudits, mais en Jésus, nous recevons la vie d'abord éternelle et le Seigneur prend aussi soin de nos vies. Voilà pourquoi j'ai béni tous les enfants qui sont à l'extérieur du pays et particulièrement Abby, que le Seigneur te bénisse pour ce que tu fais pour son travail. Que le Seigneur vous bénisse. Suivez ces messages et vous serez richement bénis. Nos numéros sont là. Appelez-nous et nous ne manquerons pas à prier pour vous parce que nous croyons que Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.